Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy and girl. Je suis là pour te motiver à te surpasser. Ça, c'est très, très important. Parce que la vie, je vous ai déjà enseigné que c'est 80% le mental et 20% d'habileté. Donc, la vie, c'est ça, en fait. C'est 80%, c'est là, c'est là. Et puis 20% seulement d'habileté. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire de t'entourer des meilleurs. Parle avec les meilleurs, reste avec les meilleurs, reste avec ces personnes-là qui vont te tirer vers le haut. Reste avec eux, c'est très important. Et moi, c'est mon mantra. Je dois rester avec les personnes qui me poussent, qui me permettent de me surpasser, qui me challenge. C'est important pour toi aussi. Reste avec des personnes qui te challenge. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre le lion, j'aime bien la forêt, hein. J'aime bien le lion, les animaux. Et le lion, c'est un animal que j'aime énormément à cause de sa fureur, comment il est. Mais il y a quelqu'un, en fait, qui est une histoire importante, c'est l'histoire du tigre. Vous savez, le tigre, en fait, souvent, on ne parle pas de lui, on parle que le lion est le roi de la forêt, mais le tigre, oh, mama. Le tigre, il est, quand tu le regardes, il n'y a que du muscle, en fait. C'est du muscle, tout, en fait, c'est du muscle. Et je te garantis même que si on met un lion et qu'on met un tigre ensemble, je pense que le tigre va gagner. Pourquoi? Parce que quand tu prends un tigre, il n'a que du muscle. Quand tu vois comment il marche. Mais voici le secret du lion. Le secret du lion, c'est que le lion reste avec des lions. Et le problème avec le tigre, c'est qu'il marche tout seul. Il est toujours tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas, des personnes qui ont la même mentalité que lui. Il n'a pas ces personnes-là qui vont le pousser, qui vont le soutenir. Il n'a pas ces personnes-là. Et c'est pour ça que le tigre reste tout seul. Mais le lion reste avec les lions. Il se balade pas seul, il reste avec les lions. Ces personnes-là qui vont permettre qu'il puisse se surpasser. Ces personnes qui vont le motiver à aller de l'avant, qui vont le motiver, ça c'est important. C'est pour ça que ne sois pas un tigre, sois un lion. Un lion qui reste avec d'autres personnes qui se... Vous vous surpassez ensemble. Oui, je parle à toi qui es en train de m'écouter. Le tigre, il peut être seul, mais je crois que si tu veux aller de l'avant, si tu veux progresser, il ne faut pas que tu sois seul, il faut que tu restes avec ces personnes. Écoute les meilleurs, reste avec eux, ça va te permettre de te motiver. Ne reste pas seul, ne t'isole pas. J'aimerais d'ailleurs dire quelque chose. Si tu es capable d'accomplir ton rêve tout seul, c'est parce que ton rêve n'est pas assez grand. Je pense qu'il faut que tu prennes, un stylo, une feuille pour noter ça. N'oublie pas de mettre mon nom en bas, n'oublie pas de mettre Angel quand tu vas écrire ça sur les médias sociaux. Si tu es capable d'accomplir ton rêve tout seul, ça veut dire que ton rêve n'est pas assez grand. Oui, c'est à toi que je parle. Ça veut simplement dire que tu ne peux pas faire tout seul en fait. C'est que personne n'a jamais accompli quelque chose d'excellent tout seul. De grandiose tout seul. En fait, tu as besoin de rester avec ces personnes. Entoure-toi de meilleurs, entoure-toi de plus forts. Même s'ils te dépassent, paye-leur un café. Dans une conférence, justement, il y avait une centaine de personnes. J'ai dit ça, paye-leur un café, je crois. Après, j'ai une quarantaine de demandes de café. Mais en fait, non, ce qui est important, c'est quoi? Juste, c'est une information qui va te libérer, une seule information. Le fait que tu restes avec eux, tu vas écouter une information qui va complètement transformer ta vie. Complètement, une seule information. Parce que moi, je considère que c'est une seule information qui te sépare de là où tu es à là où tu dois arriver. Une seule information, une seule. Alors juste à rester là, allez écouter, tu auras ton information, c'est certain. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse moi te dire, ne reste pas isolé, écoute les meilleurs, reste avec les meilleurs, les plus forts, cherche-les, reste avec eux, ne reste qu'une heure, 30 minutes, écoute-les, reste dans l'environnement, parce que je vous ai enseigné que l'environnement est plus fort que l'individu. Oui, l'environnement est plus fort que l'individu, si tu veux t'en sortir dans la vie, ne reste pas dans un environnement médiocre, cherche un environnement excellent qui te pousse, qui te sort de ta zone de confort, c'est très important. Alors c'est tout pour aujourd'hui, encore une fois, j'espère que tu vas mettre ça en pratique. C'était Angel King, ton motivateur personnel.